L'IUA s'agit du premier institut au Liban à dispenser une formation francophone en urbanisme. Pluridisciplinaire et post-universitaire, l'IUA a établi un lien avec les autres universités et avec les autres sciences de l'urbanisme. Depuis 1996, l'IUA est membre de la PRO, Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme. L'IUA n'est pas née de rien, mais suite à des projets progressifs et réfléchis menés au sein de l'école d'architecture et qui privilégiaient une dimension urbaine, intégration urbaine, urbanisme de première classe, atelier d'urbanisme, et enfin, l'IUA. À l'aide de Pierre Merlin et d'Alain Bourdin, ainsi que d'autres éminents intervenants, l'IUA s'est associée à de nombreuses institutions internationales européennes et travaille actuellement sur des collaborations avec Marquis en Russie, KU Leuven en Belgique, l'Association internationale des maires francophones et l'École d'urbanisme de Paris. En accueillant des candidats d'autres disciplines et provenant d'autres universités, le rôle innovateur de l'ALBA était confirmé. À l'IUA, plusieurs filières s'offrent aux jeunes architectes et ingénieurs. Licence en architecture du paysage, master en urbanisme, master en aménagement du paysage, master en design urbain, et un double master en architecture et design urbain. Ces formations complémentaires offrent la possibilité de devenir un décideur de la ville et non pas un exécuteur uniquement. Aujourd'hui, voilà comment se répartissent les urbanistes formés à l'IUA. 20 docteurs et doctorants entre France, Italie, Grande-Bretagne, Canada. 28 consultants auprès d'agences internationales. 11 conseillers auprès d'organismes étatiques comme le Premier ministre, CDR, MOE, Solidaire, UNESCO et la mairie de Dubaï. 11 enseignants universitaires et 2 directeurs d'écoles d'architecture et d'urbanisme. Cette vision est caractéristique de l'IUA qui la positionne au centre d'une prise de conscience de l'importance de la ville, de son rôle et de son pouvoir à relever les défis du développement économique. La ville se fait pour et avec ses habitants qui en sont des acteurs actifs. En agissant, les habitants injectent dans la ville la pensée qui consiste à contribuer à servir la collectivité. Aujourd'hui, si certaines villes bougent, c'est bien sûr grâce à une vision politique de l'aménagement du territoire. Vision nourrie par les citoyens, et en particulier ceux ayant une culture de la ville. L'IUA est fière d'avoir connu et collaboré avec plus de 200 figures locales et internationales, des diplômés formés pour devenir des militants de la ville, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, des militants forts d'une formation et d'une culture appropriée. Avec toute cette équipe, l'IUA s'est prouvée par ses publications qui ont toujours exploré des problématiques à l'échelle locale ou au-delà, des thèmes patrimoniaux, législatifs, le tissu urbain ou bien la mondialisation. Si nous célébrons aujourd'hui les 30 ans, ce n'est que pour marquer l'histoire et ajouter des pages futures, vibrantes et prometteuses pour l'Institut d'urbanisme de l'ALBA.